Aujourd'hui encore, je joue contre vous et je joue contre Mike. Mike, on avait fait des petits matchs à 5000 juste avant pour se préparer. Et après, on va attaquer le match à 2500. On fait tout un tas de matchs à 2500. Pour ceux qui le souhaitent, à la fin de la vidéo, vous pouvez retrouver tous les récaps du match. Des matchs. Là, je tente de renvoyer la balle en espérant qu'elle touche légèrement le pion pour pouvoir aller vers les buts. C'est un tir que j'essaye désespérément depuis un petit moment de marquer face à cette formation, mais j'ai du mal. J'ai dû réussir une ou deux fois et pas plus. Pas plus. Et encore sur des coups de chance. Donc là, je tente de pénétrer sa défense. Là, pareil, il y avait un joli coup à faire, mais je pense l'avoir raté. Donc là, Mike renvoie, il rattaque encore avec mon pion, malheureusement, elle ne rentre pas. Il tente par le haut et... Oh bah, non ! Qui fail vraiment dommage du côté de Mike, il aurait pu marquer, mais voilà, juste après, il se rattrape, il marque un magnifique but en utilisant le coin. Voilà, petit engagement, renvoi de la part de Mike, tir merdique de ma part, Mike la tente le but, malheureusement elle ne passe pas loin, là je tente de la faire rebondir en haut, de la faire revenir, et magnifique, elle passe mais juste. Engagement de Mike, renvoi de mon côté, alors vous allez assister à un enchaînement de tirs bien pourri, hein. Enchaînement de Mike, renvoi de mon côté. Mais bon, ça donne des balles à disposition afin de réaliser des beaux tirs. Mais bon, à chaque fois, voilà, on tente des trucs, mais ça donne pas grand-chose, genre ça, tu vois. Elle a rebondi malheureusement d'abord sur le pion du bas, ce qui fait que ça ne marche pas. Là encore, comme tout à l'heure, voilà, si ça avait touché le pion, c'était bon. Ouais, je me marque un but magnifique. Voilà, engagement de moi. Mike qui renvoie. Moi qui tente de viser entre les deux pions. Malheureusement, je touche les deux, mais je passe pas du tout entre les deux. Jolie tentative. De grosses précisions, hein, parce qu'il aurait fallu vraiment... Là, je compte sur un léger frôlement du pion. Malheureusement, je cible, hein, j'essaie de cibler, mais non. Non, non, ça n'a pas fonctionné. Il la renvoie en haut et je coupe. Là, une magnifique tentative malheureusement échouée, mais c'était bien joué. Je vais tenter. Il y avait des trous potentiels. Je vais tenter. Elle passe entre les deux. Ça. Voilà, un joli but en la renvoyant en arrière. J'arrive à les réaliser une fois sur trois à peu près. Hein. C'est pas systématique. Hein. C'est pas des tirs faciles à réaliser. Très joli tir. Très joli renvoi de la part de Mike. En haut, de toute façon. C'était pas possible. Le seul moyen, c'était en bas. Et effectivement, il a bien géré les deux rebonds avant qu'elle aille s'écraser dans mes cages, quoi. Donc voilà, on termine ce match avec Mike. Il est gagnant. Victoire pour lui. Et on reprend un autre match. On a dû en jouer 4-5 en tout. Là, il tente, en faisant revenir son pion, de la faire rentrer. Malheureusement, là, c'était très mal ciblé. Mais c'est des tirs très durs à faire, donc j'avoue, voilà. S'il avait réussi, franchement, ça aurait été le tir de malade. Là, je compte sur son pion pour qu'il la renvoie vers le bas. Malheureusement, elle touche le pion trop sur la partie face, donc la renvoie quasiment vers moi. Superbe tir de précision de Mike, super bien joué. Je vais la dégager, bon, après, ça va faire des trucs merdiques, donc du coup, je n'ai pas gardé l'entièreté de cette séquence. Là, donc, Mike va tenter de la dégager, mais voilà, il la renvoie dangereusement de son côté. J'en profite, je pénètre légèrement sa défense. Et là, il va très bien dégager. Il me dit bonne chance. Et il a eu raison, hein. Il m'a dit bonne chance sur ce tir. Il n'était pas forcément évident. Il fallait que je rebondisse sur son pion, revenir sans toucher le ballon dès le début. Paf, paf. Et aussi profiter d'un rebond sur son pion pour que ça puisse fonctionner. Ça a fonctionné, j'ai eu beaucoup de chance. Donc là, un type de renvoi voilà, que je réussis rarement, mais bon, voilà, comme c'est un match, je dirais, plus ou moins amical, on y va tranquille, quoi, tu vois. Là, on pète sa défense, là, il va faire un très joli geste, un très joli geste. Elle est, bon, après avoir regardé, elle est difficilement mettable. Là, je ne pense pas avoir mis toute la puissance, dommage, parce que c'était un très beau tir, mais vous verrez par la suite qu'il y en aura d'autres vraiment sympas. Là, ensuite, hop, renvoi, et dans mon renvoi, eh ben, j'inclus un but.
comme ça. Je voulais juste effectivement la renvoyer de son côté, les cages étaient blanches, vertes. Je me suis dit pourquoi pas, allez on y va. On continue alors que Mike est mené 2-0 lors de ce match. Il va tenter le fin couloir et va-t-il réussir à la faire passer ? Ah malheureusement, c'était un peu chaud. Donc moi je la renvoie et je tente de viser entre les deux pions comme tout à l'heure en espérant cette fois arriver entre les deux et non, j'en touche un pleine face. Là sur le haut, bon c'est un peu compliqué d'attaquer mais Mike attaque quand même et je profite d'une autre ouverture pour mener 3-0 et donc gagner ce match. Donc là on réenchaîne sur un autre match. Ah, j'ai pas fait de transition de match, curieux. Donc là la balle passe juste devant les goals, elle repasse juste devant le goal, enfin les buts et voilà, je la renvoie de l'autre côté. Là, il a un très beau tir de précision à faire, mais vraiment très chaud. On va voir s'il va réussir. Et non, il tente de passer par le haut. Bon, moi, je m'étais dit avec mon pion, normalement, c'était assez chaud. Moi, je tente de passer par le bas, en sachant que son pion, voilà, j'essaye de contrer son pion, malheureusement, trop proche de son pion pour que ça puisse faire quelque chose. Là, lui, de son côté, il réfléchit. Que va-t-il faire? Attention, ça sent le tir de grosse précision même. Et dommage. Dommage, ça n'ira pas du tout, je pense là où tu voulais. Moi, en voulant renvoyer, j'ai eu la chance bah voilà, de rebondir sur mon goal, ça revient. Voilà, un but de chanceux, le fameux sauvetage chanceux, quoi. Donc là, petit engagement, renvoi de Mike, il tente toujours de passer par le haut, malheureusement là, un pion l'a bloqué. Là, j'ai pas grand chose de faisable, donc je fais ce que je peux, donc rien et n'importe quoi. Là, lui, il avait une toute petite ouverture, mais il tente. Et moi, j'avais une toute petite ouverture, mais comme un malade, je tente. Et ça donne un très beau but qui rentre tout doucement. Ensuite, on enchaîne. Donc Mike, qui engage. Après l'engagement, bon, vas-y, on passe à autre chose, puisque c'était pas intéressant. Donc là, ça va être un renvoi de Mac, mais très léger, très léger. Donc moi, j'en profite, je suis vraiment en mode attaque. Donc j'attaque à fond. Lui va défendre de son côté. Je vais retenter d'attaquer en voyant le couloir, le fin couloir entre ses pions. Et en espérant la toucher au bon endroit, malheureusement non. Je la touche pas au bon endroit, ce qui fait que je lui place une belle balle. Et quel tir de précision il me renvoie à la suite de ça. Voilà, il y avait vraiment peu de place et il réussit à la mettre pile poil dedans, ce qui est très bien joué. Renvoie de son côté, il ciblait la partie basse, malheureusement ça n'a pas marché. Là il a tenté avec un double rebond de la faire entrer, malheureusement ça ne passe pas. Et là c'est le buteur, le but qui scelle ce nouveau match et qui nous permet d'enchaîner sur le dernier match que l'on a fait. Donc là, voilà, tu renvoies avec un pion calé entre ses pions. Il tente de renvoyer par la partie haute. Très beau renvoi. Dommage que voilà, il ait perdu autant de pions, sinon ça aurait donné un truc sympa. Donc là, joli but de son côté. On est à 1-1. Je tente de la faire passer par en dessous. Bon, sachant que j'avais peu de chance, mais voilà, c'était vraiment pour le geste. Lui de son côté aussi, il avait plus de chance, mais malheureusement, ça n'est pas passé. Mais le tir était très beau. Et là, voilà. Là, rebond sur le pion du bas. Hop, elle passe là et rebond sur le pion qui est juste devant les cages, qui me permet de rentrer délicatement dans les cages. Et là, le dernier but, voilà, c'est juste un truc de ouf. Bim, bam, bom, et ça rentre. Comme tout à l'heure. Voilà, ces buts, je les marque rarement et j'en ai deux là dans une même vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à tous à très bientôt. Pour demain, c'est le match contre Yacine. Alors Yacine, je ne sais pas quel est ton pseudo YouTube. En tout cas, bah, j'ai enregistré nos derniers matchs, donc on va pouvoir les monter et les montrer. Et voilà, je vous remercie d'avoir suivi ces vidéos. Là, elles sont un peu plus montées que les dernières fois parce qu'effectivement, il y a eu un problème technique lié à mon micro. J'en suis désolé, j'espère que vous m'en voulez pas. Je vous remercie aussi parce que vous êtes 500, ça fait vraiment plaisir. Enfin, maintenant plus de 500, hein, puisqu'on les a passés. Objectif 1000, hein, on va essayer d'atteindre cet objectif. Allez, ciao les gens, kiffez la vie parce qu'elle, elle vous kiffe.